Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monseigneur, Président du Présidium, Messieurs les membres du Présidium, Messieurs les membres du Haut Conseil de la République, Messieurs les délégués, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, Mesdames et Messieurs, à cette heure solennelle de la vie de notre nation, l'honneur me soit, à la clôture de cette auguste assemblée, de vous transmettre le message du président de la République, chef de l'État. Je lis. Notre pays vient d'amorcer une nouvelle phase de son histoire. Nous sommes dans la mouvance d'un environnement international qui est en train de se mettre en place les trames d'un ordre nouveau. Les plus vieilles démocraties du monde libre, secouées, sortent de leur isolement. Les régimes monolithiques du bloc de l'Est, fissurés, s'écroulent un à un. L'Afrique n'est pas épargnée. Notre pays, qui est entré dans la turbulence, s'achemine enfin vers la zone de l'accalmie en balisant la voie qui pourra nous y conduire sans dérapage. Pendant 8 semaines, les forces vives de la nation, réunies en conférence nationale, ont essayé de faire l'autopsie de notre société et de l'œuvre commune que nous avons réalisée. Les uns et les autres ont dressé des bilans. Pour certains, l'œuvre accomplie, tout en étant perfectible, a permis à notre nation d'être dans le peloton de tête des pays dont les potentialités peuvent être comparées aux nôtres. Pour d'autres, ce que nous avons réalisé est loin de satisfaire l'attente du peuple. Quoi de plus naturel? Si la conférence nationale qui vient de s'achever a été l'occasion pour un bon nombre de Togolais de faire la critique de l'action du gouvernement et de son chef et de proposer pour le futur des actes nouveaux, elle a été aussi le début d'une vaste opération de sensibilisation politique. Car nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes entrés dans l'ère du multipartisme où chaque militant regarde d'abord dans la direction de sa clientèle politique et où les sensibilités multiples qui s'affrontent s'expriment selon le registre qui pourra les crédibiliser. Mais, par-delà les déballages, les insultes, les procès d'intention, les contre-vérités, les vraies et les fausses révélations, cette conférence nationale s'inscrivait dans la logique d'un psychothérapie collective indispensable à la libération des consciences et à la réalisation de la grande réconciliation nationale devant permettre au renouveau démocratique naissant de notre pays de partir sur de bonnes bases. C'est le lieu pour moi d'exprimer au nom du peuple togolais tout entier nos vives félicitations au président du Présidium, au bureau du Présidium ainsi qu'à tous les délégués qui, à des degrés divers, ont œuvré au bon déroulement de vos travaux. Chers compatriotes, la roue de l'histoire qui tourne ne s'arrête jamais. Et dans l'évolution de toute société humaine, il y a des périgées et des apogées. Dans la sphère de cette évolution, tout obéit à la loi immuable de la succession, du renouvellement, de la transformation et du changement. Les hommes se succèdent sur la scène de la vie politique et aucun dirigeant, de quelque nation que ce soit et quel que soit le temps de son règne, ne peut apporter toutes les solutions à tous les problèmes qui se posent à la nation. Donc, les hommes passent, mais la nation demeure. Ceux à qui incombe la mission de la diriger
ne peuvent réaliser que ce qui est du domaine du possible et ne peuvent à la fois gouverner et s'apprécier. C'est dire combien il est difficile de connaître l'étendue de ses défauts et les limites de ses qualités. Seul un observateur neutre peut poser un regard objectif sur vos actions et éclairer votre entreprise. J'ai écouté avec beaucoup d'humilité, de courage, les débats libres et démocratiques qui ont été organisés durant cette conférence nationale. Ces assises m'ont surtout permis de connaître davantage l'homme et de rendre grâce à Dieu de nous avoir ainsi fait, enclin à accepter volontiers le bienfait, mais à remercier par le mal, à s'éloigner de l'ami en péril, à pactiser avec l'ennemi dont on attend une faveur, à tourner le dos aux compagnons d'hier pourvu qu'on reçoive des promesses ailleurs. La vie, comme vous le savez, est une grande école où on n'a jamais fini d'apprendre et je me console à l'idée que le temps permet à chaque homme au moins une fois dans son existence d'en faire l'épreuve. Mes chers compatriotes, pendant 24 ans, nous n'avons été guidés dans notre action que par l'intérêt supérieur de la nation, en donnant le meilleur de nous-mêmes, en cherchant par tous les moyens le bonheur du peuple togolais qui a accepté librement de consentir les sacrifices nécessaires à la réalisation de l'œuvre commune. Malgré notre détermination à atteindre de meilleures performances, notre pays, pendant plus d'une décennie, est resté tributaire d'un environnement international qui a annihilé nos efforts et constitué un goulot d'étranglement pour notre économie. D'ailleurs, les insuffisances relevées ça et là dans l'action du gouvernement et la plupart des critiques formulées tout le long des débats sont d'ordre structurel et inhérentes à tous les pays en voie de développement qui, comme chacun le sait, souffrent de manque d'infrastructures, de capitaux et de techniques appropriées. Dans le domaine des droits de l'homme, l'accent a été mis sur des cas de violation qui ne peuvent que soulever l'indignation et la réprobation de tous s'ils se vérifiaient. Mais nul ne peut ignorer que le Togo a été l'un des tout premiers pays africains à poser dans ce domaine des actes de portée historique, soit en ratifiant les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, soit en favorisant au Togo des missions d'organisation humanitaire internationale. La création en 1987 d'une Commission nationale des droits de l'homme a confirmé notre volonté de faire de notre pays un État de droit. À l'occasion de l'installation de cette commission, on se rappelle que j'avais lancé un appel solennel aux forces de sécurité en les invitant à tout mettre en œuvre dans l'exercice de leurs fonctions pour protéger les citoyens contre toute atteinte à leurs droits et je n'ai pas hésité à prendre des sanctions contre ceux qui ont violé ces principes. Je sais que dans la vie de toute nation, il y a des actes dont les conséquences imprévisibles peuvent perturber profondément l'équilibre social et jeter de discrédit non seulement sur l'auteur principal, mais sur tout le corps auquel ce dernier appartient. Ainsi, de nombreuses accusations ont été portées sur l'armée, qui, durant 24 ans, au service de notre chère nation, n'a eu qu'à accomplir son devoir, celui de protéger les citoyens en faisant régner la paix, la sécurité et en veillant à l'intégrité de notre territoire. Ces actes isolés ne doivent entamer le moral de notre armée, mais face à toutes les accusations dont elle a été l'objet, accusations parfois amplifiées par les passions, j'ai demandé que des organisations nationales et internationales neutres
puisse enquêter sur les violations en question afin que le peuple togolais soit éclairé en toute connaissance de cause. Mes chers compatriotes, un peu de silence. Mes chers compatriotes, en réaction à certaines décisions prises par la Conférence nationale, l'armée, tout en réaffirmant son attachement à la légalité républicaine et à l'accord du 12 juin 1991, a opté pour une transition pacifique et sereine. De mon côté, en ma qualité de représentant élu du peuple et garant des institutions, je souhaite que cette transition se fasse dans le calme et la paix sociale jusqu'aux élections présidentielles et législatives. Je tiens à renouveler mes sincères félicitations au Premier ministre et aux membres du Haut Conseil de la République et à les assurer de ma collaboration et de mon entière disponibilité dans l'accomplissement de notre mission commune qui est de conduire la transition démocratique de notre pays dans la paix et l'unité nationale. Je souhaite que le Premier ministre, dont la tâche sera harassante et épuisante, puisse trouver compréhension, aide et soutien auprès des partis politiques et des forces vives de la nation afin qu'il mène à son terme sa délicate mission. De concert avec lui, nous devons conjuguer nos efforts durant cette période de transition pour poursuivre la réconciliation nationale et installer les nouvelles institutions d'une renouvelée démocratique. Au moment où notre économie menace de s'effondrer en raison de l'insécurité, de la recrudescence du banditisme et des incessants arrêts de travail que nous observons depuis octobre 1990, nous devons prendre des mesures appropriées pour redonner confiance aux commerçants, aux hommes d'affaires, aux investisseurs. L'économie togolaise sur laquelle repose l'avenir de notre pays doit être continuée à fonctionner normalement. C'est à ce prix que nous répondrons réellement à l'attente de nos populations qui, en dehors des acquis de la démocratie, recherchent avant tout un mieux-être socio-économique et la satisfaction de leurs besoins vitaux. Vive le Togo, vive l'unité nationale.